Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, comme d'hab, diamond painting. Ouais, en ce moment, il n'y a que ça. Que du diamond painting. Désolée. Alors, aujourd'hui, je vous montre une toile, enfin un kit que j'ai acheté donc sur AliExpress. Je vous en avais déjà parlé il y a un petit moment, je crois, que mon amie Sylvie et moi, nous allons faire ensemble, donc chacune chez soi, oui, parce qu'elle est du côté de Reims, donc moi dans le Nord. Nous allons faire chacune chez soi le même kit. Donc on va essayer de le faire au même rythme. Elle le fait avec des diamants ronds, voilà, et moi je vais le faire avec des diamants carrés, voilà, donc c'est la même image, et donc il y a juste les perles qui changent, du coup ça va nous permettre de voir la différence qu'il y aura entre les deux. Et puis bon, voilà. Voilà, ça permettra de voir la différence entre les deux kits. Et puis, ça nous permet de faire un ouvrage ensemble à distance. Voilà. Alors, le kit, je l'ai acheté chez Home Fun. Voilà. Hop. Alors, ce kit, j'ai cru ne jamais recevoir. Je l'ai commandé vers le mois d'avril, je crois. Ouais, ça doit être vers le mois d'avril. Donc, je l'avais commandé en même temps que le kit que j'ai offert à Sylvie pour un échange de toiles, si vous vous rappelez. Je vous remettrai la vidéo là, ici quelque part. Et je n'avais reçu que cette toile, donc l'étoile de l'échange, alors que j'avais passé la commande en même temps. Bon, déjà, celle-là, toile a mis avril, mai, juin, juillet, plus de 4 mois à arriver. et il en manquait une. Et la toile, donc celle-ci, elle n'est jamais arrivée. On ne sait pas pourquoi, puisque normalement, puisque c'était passé dans la même commande, ça aurait dû partir en même temps, ou tout au moins déjà emballé en même temps, ou... Mais bon, il avait fait 2 emballages, donc je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas su me donner l'explication d'ailleurs. Donc, il a voulu attendre encore un peu. Il a attendu quoi, une quinzaine de jours, en me disant, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Avec le virus, tout ça, tout est rallongé. Oui, mais bon, 4 mois, hein. C'est plus la rallonge là. Donc bon, j'ai encore patienté 15 jours et puis après il m'a quand même relancé la commande. Et là je l'ai enfin reçu. Enfin bon, j'ai quand même mis je crois un mois et demi pour l'avoir. Donc le deuxième. Mais bon, le premier, je sais pas, peut-être qu'un jour il arrivera à la maison, j'en sais rien. Mais bon, je ne l'ai jamais reçu, le premier. Donc, on ne sait pas où il est. Voilà. Donc, bon, enfin, ça y est, j'ai reçu le deuxième. Il était temps, parce que là, de toute façon, j'aurais pas reçu, là, j'aurais demandé le remboursement, et puis c'était tout, hein, j'ai abandonné. Enfin, venant d'Home Fun, ça m'étonnait, parce que bon, normalement, ça va bien chez eux, mais bon. Voilà. Mais bon, c'est rare que maintenant je commande sur AliExpress, c'est vrai, mais bon. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, j'avais déjà, du coup, j'avais vérifié, mais j'ai pas su tout remettre dans une boîte. Alors, je vais le sortir. On peut aller dans la boîte? Non. Non, le kit. Le petit kit, donc avec la pince que j'aime pas, mais ça, bon, je m'en fous.
le petit plateau avec le petit bec verseur que je me sers, c'est rare que je me sers de cela. Il y a des petits sachets en plus, le petit stylet et le petit carré de glue, comme d'habitude. Alors, là, il y a une feuille de route. Hein. Mais bon. Désolée pour le bruit. J'enlève d'abord la feuille de route puisqu'il y a le dessin dessus. Et que vous savez que je n'aime pas montrer le dessin tout de suite. Alors, bon, chez eux, c'est une feuille de route où ils mettent donc le 1, 2, 3, 4, 5, les symboles, les références DMC, le nombre de sachets et le nombre de perles. Voilà. Donc j'ai combien de couleurs? Il y a 44 couleurs. Voilà. Donc sur celui à Sylvie, je ne sais pas si c'est le même nombre de couleurs. Je regarderai si elle a déjà mis une vidéo en ligne sur le sien, le kit. Et si elle a déjà mis une vidéo aussi sur son kit, je vous mets également le lien de sa vidéo. Voilà, vous puissiez aller voir. Donc, voilà les perles. Donc, elles sont en chapelet. Donc, c'est des carrés. Bon. Il n'y a pas l'air d'avoir de poussière pour l'instant, hein, mais je vais. Donc, je vous montre les couleurs. Des roses. Des marrons comme ça. Enfin, marron clair. Du vert d'eau. Un vert très très clair. Ça, c'est pas tout à fait du blanc, mais ça y ressemble. Je sais pas si j'ai du noir. Ah si, j'ai du noir. Et le vrai blanc, j'ai pas de vrai blanc. Non. Non, j'ai du rose. Un kaki un petit peu foncé. Désolée. Hein. Du vert. Encore du vert d'eau. Je pense que ça doit... Non, c'est un autre. Voilà. Encore un vert clair. Il y a plusieurs sortes de vert pastel. Hein. Voilà, c'est pas les mêmes. Un marron. Un beige, encore une autre sorte de marron. Là, c'est un vieux rose. Un rose plus un peu plus fuchsia. Un gris clair. Pardon. Gris plus foncé. Gris un peu plus clair. Gris plus foncé, un peu gris souris. Gris beige. Ah, là, lui tout seul. C'est une sorte de rose orangé. Le noir. Ça va, il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Je n'ai pas beaucoup de noir. Donc, j'aurais dû le barrer en même temps, mais bon, je ferai après, c'est rien.
Ouais, j'aurais dû barrer. Alors, attendez, je crois que je vais avoir des... Ah, d'accord. Ouais. Ça me paraît juste, ce qu'ils m'ont fait. Parce que pour le noir, ils me disent 8 sachets. Donc, j'en ai 3 comme ça. Et j'ai un gros comme... Enfin, un gros... J'en ai un comme ça. Donc, bon, c'est vrai que j'ai toujours du noir d'avance. Mais bon, est-ce que ça correspond bien à 8 sachets, ça j'ai un doute. J'ai un petit doute. Là, je ne peux pas voir si j'ai mon nombre de sachets. Donc il va falloir que je vérifie tous mes sachets pour demander si j'ai bien tout. Par exemple celui-là, il y en a 5, ouais c'est bon. Alors là c'est un marron kaki foncé. Donc il va falloir que je vérifie tout. Mais le noir, Paris Just. 30-31 par exemple. 8, 4 et 4, 8, ouais. Bon, je pense qu'il doit y avoir le compte, mais bon, de toute façon, j'en ai d'avance hein, du noir. Donc, même s'il y aurait, il en manquerait, je ne vais pas réclamer du marron, du vert foncé, du gris, un vieux rose un peu plus clair, un orange. Un autre orange, un beige, très très clair, une autre sorte d'orange, du vert, rose, gris très foncé, gris clair, alors violet très foncé, alors un blanc pas tout à fait blanc, encore un beige, marron orangé, bordeaux et un vert, comme ceci. Voilà. Bon, donc je vérifierai hors caméra, puis de toute façon je vous le redirai si j'ai bien tout. Mais bon, le noir, j'ai un doute. Mais bon, normalement, je pense que j'ai toutes les... Ouais, je pense que j'ai tout. Hein. Je ne vais pas m'amuser à compter en filmant, sinon ça va. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Si on prend un au hasard, ouais, non, je pense que c'est bon. Mais je ferai une vérification moi-même après. Voilà. Alors ça, c'était les couleurs. Alors, le dessin maintenant. Alors, la taille, c'est un 50-60. Donc, je vous ai dit, c'est un 44 couleurs en perles carrées. Vous venez de les voir. Alors, le kit maintenant. Enlever les élastiques qu'ils ont mis. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a... Le petit... Alors, la toile... Et nickel, elle a pas de rivière, j'en vois pas. Alors, je vais mettre les perles sur le côté pour avoir de la place. On verrait bien tout après.
Voilà. Et alors, la protection, elle est en deux morceaux. Je commence à plus avoir place sur mon bureau. Bon, je vais décoller les coins. Donc là, on a décidé, bon, la fin d'année va bientôt arriver. On a toutes les deux des kits en cours en ce moment. Donc, j'ai proposé à Sylvie que, bon, là, maintenant, on allait laisser finir l'année. Hein, et puis qu'on commencerait notre kit début janvier. Parce que là, bon, de toute façon, on va laisser finir l'année. Hein. Elle a tellement été belle l'année. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà, ça est bien plat. Désolée. Alors, donc voilà la toile. Donc elle est en deux parties, la protection dans ce sens-là. Je vous montre le dessin. Le voici. Une vieille chaise avec un bouquet de fleurs. Voilà. Je vous remets l'image tout de suite. Donc voilà, vous avez vu avec l'image, on voit beaucoup mieux, hein, puisque le papier est tout chiffonné. Donc ça. Vous savez ce que je pense, hein, des feuilles de route, de toute façon. Alors, j'ai toutes les références ici. Donc là, mes 44 couleurs. Hein. Et on va regarder l'impression qui est nickel. Hein. Voilà. Voilà, et ça colle bien, comme je dis d'habitude, niveau colle, ça colle, et niveau impression, il n'y a pas de souci, c'est bien imprimé. Voilà, donc c'est un dessin, hein, c'est un motif qu'on a choisi ensemble, toutes les deux, Sylvie et moi. Et bah, qui nous plaît à toutes les deux, heureusement. Donc, c'est la première fois que je vais faire un kit en même temps que quelqu'un d'autre. Donc, ce sera une première pour moi, pour Sylvie aussi, je crois, je ne sais plus. Parce que je sais qu'elle fait des coloriages. Des fois, elle fait des coloriages sur sa chaîne en même temps que d'autres filles de YouTube. Voilà, mais en kit de Demon Painting, je ne sais plus si elle en a déjà fait. Bon, c'est pas un énorme kit, hein. Du coup 50-60, voilà, c'est une bonne taille, hein. Ça va aller. Et puis je pense que le résultat sera joli, il y a de jolies couleurs dans les perles, donc ça va. Donc là, comme je vous ai dit, on va l'attaquer en début janvier, on va attendre que les fêtes soient passées, et on fera à ce moment-là. Puis de toute façon là c'est impossible, je sais qu'elle n'a pas terminé ses kits en cours, moi j'ai pas fini les miens, hein, vous savez, et puis dès que j'en termine un, j'en mets tout de suite en route, donc en janvier là je ferai pour garder une place pour celui-là, et voilà, donc désolée, sinon c'est bon. Désolée, je tousse en ce moment, mais bon, j'étais voir mon docteur ce matin. Et j'ai des examens à faire. Alors, je tousse pas parce que j'ai le virus, hein, je vous rassure.
J'ai fait des tests là-dessus, je suis nickel. J'ai pas de, je suis négatif. Non, mais bon, je suis une fumeuse. Enfin, j'ai beaucoup fumé en tant que jeune. J'ai arrêté pendant 20 ans. Et j'ai repris, là, il y a 4 ans, 3-4 ans. Que j'aurais jamais dû reprendre. Hein. Et puis là, depuis plusieurs jours, je commence à tousser. Et vendredi, j'ai un petit peu peur. Parce que là, au niveau de la poitrine, j'ai eu très mal. Et ça s'est serré. J'ai serré et puis serré ici. Et donc, ça n'a pas duré longtemps. Hein, mais bon, je me suis demandé ce qui arrivait. Et comme je devais aller voir mon médecin en même temps aujourd'hui pour des résultats d'analyse, tout ça, je lui en ai parlé. Et il me dit, oh, ben, c'est angine de poitrine, ça. Hein? Il dit, vous fumez? Je fais oui. Il dit, ben, il faut arrêter. D'accord. Et du coup, il m'envoie voir le cardiologue en même temps. Bon, de toute façon, ouais, j'arrête. C'est sûr. Mais bon, là, j'ai dit, bon, là, j'ai un petit peu fumé aujourd'hui, hein, un petit peu. Mais bon, je sais m'arrêter, il n'y a pas de souci, donc ça va. Là, je pense que même demain, c'est fini, je ne toucherai plus une cigarette. Si on me dit d'arrêter, j'arrête. Voilà. J'ai pas envie d'être malade. Hein. Donc voilà. Sinon, ben, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous avez eu les résultats du tirage au sort. Donc là, je vous ai fait cette petite vidéo. J'ai une autre vidéo à vous préparer. Bon, aujourd'hui, il sera peut-être Bon, là, il est déjà 5 heures. Je suis complètement décalée avec le changement d'heure là en ce moment. Il est 5 heures. Enfin, 17 heures, hein, pas 5 heures du matin. À ce temps-là, je suis encore dans mon lit. Donc, je ferai plutôt demain ma vidéo. Et je dois vous faire une vidéo aussi pour la broderie. Parce que là, j'ai dépassé les 15 jours. Je vous avais dit que je vous en ferai une tous les 15 jours. Mais j'ai dépassé. Donc, il faut que je vous en fasse une. Et puis, voilà. Je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. Je vais vous faire des gros. Je suis en train de m'embêter avec l'élastique. Je vais vous faire plein de gros bisous. Ah, je vous remets en barre d'infos avant de partir. Je vous remets en barre d'infos le lien pour ce kit, si vous voulez le retrouver, donc dans la boutique Home Fun. Je vous remets le lien également de la chaîne à Sylvie. Donc, n'hésitez pas à lui rendre visite, à vous abonner à sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Et puis, bon, vous avez vu, j'ai mis des petits i. Donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour retrouver donc les vidéos aussi à Sylvie dont je vous ai parlé pendant la vidéo. Voilà. Allez, maintenant, je vous fais des gros bisous. Plein, 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 plein. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.